Mais on voulait pas bien mener le rôle coordinateur de commune ici là. Et le meeting de motivation on était là dans ministre qui en avant de mana colonia tant que flan le 28 en est au folo que maintenant est au flan le bureau d'aller alors si ça en même mini malé on fait ou va boire en de mana kokoro madoni face au canadi en mode mini malé on bela je le fait avec comment font ministre et on est qu'à foko quand armada au banon au kalama donc niaye ni mana no motivé là ni pour une cause. Ni kofe boli mimbe no ore ka ministre mwoga binanche yana ka soma ame minyi ni olufe wa wanga jema na kono ore dagadula donc ne yero wolo ka kanar malade anya beni mwoga mwoga mobiliser le nabi c'est pour dire non à la ministre et dire dégager à la ministre. Merci. C'est Traoré Adama William. Oh, ok, donc en Koni Burkina ka on est en la structure to le ko yele ma horea donc les 6 de ce mois appel pour lancer ka boanga président oro pour essayer de dénoncer la MINUSMA. Cette MINUSMA qui veut venir s'installer au Burkina. Donc nous sommes sortis pour leur dire que même il ne serait-ce qu'un millimètre carré de notre territoire, nous allons laisser sous occupation au Niger. Dia bilamba famiara femimbe. Mali on connaît, il y a un combat qui aura gagné la cabane. Parce que MINUSMA va dégager du Mali. Mais MINUSMA, la Yunimikoumo, on a aussi Burkina. Voilà comment on a Sigra. Les ennemis qui se trouvent au Mali, c'est ces mêmes ennemis qui se trouvent au Burkina. Raison pour laquelle, quand il s'agit d'une question tunisienne, une question de la MINUSMA, il est très très important. Parce que nous avons les mêmes ennemis, il faut qu'on vienne les dénoncer. Nous venons pour dire qu'à fond Malikon est, que nous avons détecté nos ennemis. La jeunesse est debout aujourd'hui sur la rempart pour détecter leurs ennemis. Et parmi nos ennemis, il y a la MINUSMA. Donc nous disons aujourd'hui MINUSMA dehors. Mais pour qu'ils puissent bien comprendre, nous disons MINUSMA out, MINUSMA get out. Ne serait-ce qu'un millimètre carré de la superficie de notre territoire, nous ne laisserons encore sous occupation étrangère. Donc vraiment, merci beaucoup. Nous sommes là pour soutenir la jeunesse du Mali. Je m'appelle Souleymane Jules Diallo, je suis africain du Sénégal. Vous savez qu'en 25 mai 1963, en Éthiopie, les pères fondateurs ont mis en place une organisation dénommée OIA, l'Organisation pour l'Unité africaine. Mais cette journée, en fait, symbolise la journée de la libération du continent. Et aujourd'hui, c'est un 25 mai à Bamako, où nous avons décidé, avec le peuple africain du Mali, avec le peuple africain du Burkina, avec le peuple africain du Congo, avec tout le peuple africain, à dégager la MINUSMA. Parce que nous savons que la MINUSMA, c'est une mission onusienne qui est là pour manipuler les masses, qui est là pour déstabiliser nos États. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de nous donner la main pour dégager la MINUSMA en dehors du territoire malien parce que nous voulons avoir notre souveraineté définitive et totale. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là. Nous avons décidé d'être unis pour la souveraineté, unis pour l'avenir du continent. Comme on le dit, ensemble, marchons vers l'unité africaine. Nous n'attendons pas de réponse favorable parce que le pouvoir appartient au peuple et le peuple a décidé d'être debout pour dégager la MINUSMA et la MINUSMA va dégager. Netoro Adjaratou Koulibaly ne era wolo debout sur le rempart moko e communiste là. Anga meeting motivation te doré o MINUSMA nga tagali kore. E dobi ga fo kamiga MINUSMA ge fu ga fo nya ga fo ko ama MINUSMA ge. Kada ga MINUSMA ga manda ga ga renouveler le 30 juin. Donc voli pou te doré MINUSMA ga do manda. C'est pas renouvelable. Ame fe ou ga tagare. Ou ga tagare. Je m'appelle Amma Idrissa Meiga, je suis le premier vice-président de Sentinelle Malikoura. Aujourd'hui, nous avons invité les Maliens à une instruction nationale, un rassemblement massif de l'ensemble des patriotes des forces de changement du Mali pour demander à la MINUSMA de dégager de notre territoire à partir de ces rapports de Moura qu'ils ont publiés sur le Mali, qui truffaient de mensonges et de manipulations pour faire du mal à notre pays. Et nous ne serons pas indifférents à cela. C'est pour ça que nous avons brandi les cartons rouges à la MINUSMA, puisque nous avons compris que la MINUSMA est un tremplin pour l'impérialisme dans notre pays. Le message que je lancerai, c'est de dire au peuple malien de se souder les coudes
d'être ensemble, d'être un seul peuple pour chercher leurs droits, pour sauver leur pays, pour demander aux impérialistes de sortir de notre territoire. Nous avons mis les pieds là où nos devanciers ont mis les pieds, notamment nos pères fondateurs, nos pères panafricains. Donc nous demandons à la MINUSMA de dégager de notre territoire. Nous ne voulons plus de chez nous. Il ne faut même pas qu'ils pensent renouveler encore un mandat chez nous. Sinon, nous serons prêts à toutes les éventualités face à eux. Je suis Mme Haïdara Balkissa Sangare. Et nous flattons les gens. Nous avons fait le MINUSMA et nous avons fait le MINUSMA. Ni ya Sentinel yere togo ta ka laje Sentinel koroi de min jole no ka koloshi like Sentinel ka bara e ka mali koloshi andunya e ka foko minisuma mogo be ka cheni ne ke mali yon kuna donc bi ni kena en kono ni Sentinel maye c'est comme si Sentinel yere créé kunte donc au coson Sentinel président docteur Jire Kumbea vice président bien hama e ka farane yere kan ani Sentinel mamru to bela jele anana kana ayira ka foko mali ko redo ante mokokula parce que nigo ko mali doro malien beka nga yere a kononana donc anana ka fo minisuma ma alt ka carton rouge yirula ka fo ko seru dana donc u kan fa jamana to ay bon le toro de Omar Tembeli le toro de Omar Tembeli ni école d'un coulu chanfla la ne yere wolo ka representant ne yere wolo ka chef de brigade d'intervention rapide que nyamaye bon la motivation elle est très simple c'est seulement un mec fana kuna fond de lacé ka lacé djien mama Coronama ani djema ma ko ka foko bi ko malidon be ka bo jamana don be ka fo djema ye ko ka foko vraiment ministre ka aka dagada yanko abana amba ni ministre fait carton rouge de bambolo bi ka di ministre ma ka nya fo ministre ko ministre be ba do terrain ko nana balon ni be ka volontaire terrain ko nana ni carton rouge de lima au coro de ko iga bo terrain ko nana bon ni avertissement de ambolo ambe don laba mi namina bo mais c'est ka kan don laba mi amina bo Abel langa le tarkula mesega kan et pour une dernière fois je vais le dire ma fo oyé aya fo ministre mgoé ambaka fo nations unies nyemaye quoi ka ka troupe min nations unies troupe munumbea oni munumbea ministre munumbea ko beko ka strata ka sega to ka rola sabula ante sega fo mu djengono ko aw nana ko ka beni kela sabati en fait ante sega fo mu djengono ko beni kela sabati to la ko aw na rapport de bo encan alors les blancs ont si bien dit il faut jamais dormir avec un serpent et nous nous allons jamais dormir avec un serpent chez nous et alors on est où les canards du café Sami Banfe Nama Kuntigamba Kutige ni Allah Sura Mao Salamu Alaikum on est où les trois Amadou Ndao bon motivation une qui dorée Kaira Dron quoi Mounoumbe Anga Jamonaka ani Owale Djugu Mounoumbe Djamfa Djugu Mounoumbe Kataka Nyesi Anga Jamonaka Ananga Jamona Marabouka Kadaka, jamana deunga hakilina bekata chukumina purke anga yerema horonya kaseka sabati ambulo chukumina ore tipe mgo chamama ore ato fin chamamba la sisa wala ka gelea wuli wuli ka ese ka ke kore me ambe hukumu kono bi noye rapor muglana mura kafoko sorasu ye ninke mali arme ye ninke anka boli ye nye kana fra mali yon bela jelen kan bi kayira djemauna ka foko anga nyemoko mona femunu fo ambe to anga nyemoko ka hakilina de la puisque anga nyemoko bala ka barake ni anga hakilina donc au vice versa de nier quel état la wota la c'est une question de la diplomatie preuve contre preuve donc nous lu ko kuma djet wé ni fo ama djenaï oui moko neta dom mo bi seka fin sériatique ka soro essé ma se romna fokata foko telephone ti ani fevero donc en temps yere yen ngono ama yere femu ngono wa ambe malien de fana bewele ka afrique bewele femu ngono we anga to anga mrabo ko hakina kono sabula bomono yero mona ko chebate fenjugu yere yere kabla a de ngoro donc bi c'est anga na franjon kankanga ni son gwaira ka ira djemgo na ka foko accord mu rapport mu sebena nations unies fait murakola antan yere akono wa antan yere ni wole fosu mun kono ama yere femu kono bi o yede kamaliyon bela jele franjonka hakilna kilina pour que yele ma horonya mu folendo o ka sega sabati ambulo donc anna ku ye ninde ne nana bi fizi mali tola no ye front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du mali nana fona parce que ni malien de nana fona parce que ni kona mairie donc nous nous baissons pas faire les nyonga hakila obenna kumbo ka awere fo aw munumbe ka ni bara inke
kasoro ka kunafuli di maw ma munu ma se ni kenen ka ore nakuye aketo bala. Salam alaikum à toutes et à tous. Je m'appelle Amadou Ndao. Je suis l'un des vice-présidents de Fizi Mali et conseiller municipal élu à la mairie de Kona. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à l'appel du Mali. Nous sommes là pour répondre à un appel patriotique. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous, les Maliens, nous, la société civile, nous ne nous retrouvons pas dans le rapport que l'ONU a soumis sur les activités de Moura. Donc c'est pour faire ce grand appel-là et mobiliser tous les Maliens également à rester derrière les décisions de nos forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité et les plus hautes autorités de la transition. Puisqu'ils sont là pour nous et nous sommes là pour eux. Il faut que le monde entier sache que la société civile, c'est nous. La société civile, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un seul individu. Ce n'est pas un seul individu, c'est tout l'ensemble du Mali. Nous sommes la société civile aujourd'hui. Nous venons dire aux yeux du monde que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne nous retrouvons pas avec le rapport que la MINUSMA, je ne dirais même pas la MINUSMA, que l'ONU a publié sur les événements de Moura. Et raison pour laquelle je dis à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, ses fils et ses filles, et surtout vous, la presse, qu'on se donne la main pour que notre souveraineté qu'on a retrouvée depuis le 14 janvier puisse être perdurée et faire de ne pas se déconcentrer parce qu'on est à une phase cruciale de l'avenir de notre pays. On a notre référendum qui est en cours, on est en train de préparer tout cela et les institutions, les réformes, les refondations du Mali est en train d'être mises en place à la demande même des institutions internationales. Donc que rien ne nous détourne sur ce chemin. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est ça. Mais il faut que les Maliens sachent que nous sommes une civilisation très ancienne. Nous ne sommes pas violents, nous sommes pacifiques, nous sommes hospitaliers. Donc il ne faut pas qu'après ce meeting, que les gens aillent faire dire qu'ils vont immobiliser qui ce soit et ils vont aller faire des casses. On n'est pas comme ça. Nous sommes civilisés. C'est argument contre argument, preuve contre preuve. Donc il n'y a pas de violence. Et que la jeunesse reste sur ses gardes, il n'y a pas de violence. Donc c'est ça que le message que j'ai à dire. Okay, merci beaucoup. Ne toi Jérémy Doloy, je suis un membre. Bi amengana mitsuma gain. En la nyeme sedem ko mitsuma nalié dimé wa nalié ga protection ga nous ko kubina jamana protéger. En a don depuis 2012 2011 ou be jamana ko na. Fobi wa bolono tkayé fobi amga senti réellement que mitsuma joro tkayé protection ko la en a don ou na kunto yi. Donc en sedem to la en te fo yinde encore et renouvellement qu'on entend là parce que en y a depuis 2015 où est tiré d'orgue gaou où est prévu d'oeil tout récemment Sénégal fait et séparé où est tiré d'orgue donc ni tiré d'orgue fera le yonga en a donc réellement que au lugar et renouvellement n'a pas fou état là quoi n'a pas fou état là entre fou yin sédem te fou yin ministre enquête qui a d'elle ni quoi n'a les civils tués là ou enquête qui a d'elle ou l'enquête qui a d'elle pour que la justice on est assoiffé de la justice au lugar d'elle. D'accord, nous sommes venus ici pour la deuxième fois pour demander à la force onusienne, la MINUSMA, de quitter notre sol. Elles sont là depuis plus de 10 ans et nous voyons que la situation s'aggrave de jour en jour. On s'est dit à un moment donné, nous voulons qu'ils quittent notre territoire. Nous-mêmes, on va s'occuper de notre sécurité. Une MINUSMA qui prétend maintenir la paix dans notre pays, nous savons de quelle paix réellement elle parle, mais nous savons qu'ils n'ont rien foutu dans notre pays. Nous demandons leur départ, pur et simple. Est-ce que vous avez un autre appel à lancer à l'endroit du peuple malien? Bien sûr, comme on l'avait dit, notre sortie, nous l'avons classée en 3 étapes. Nous avons fait la première, aujourd'hui c'est la deuxième, la troisième, ça sera la finale. Et nous disons vraiment que à la MINUSMA de partir. Sinon, nous savons que sur le peuple malien, la patience du peuple malien a des limites. Et cette fois-ci, je pense qu'ils vont partir de gré ou de force. Merci beaucoup. Abdoul Niang, journaliste, porte-parole de l'association Fasson Idambo. Nous sommes présents à l'appel du mouvement Yerewolo, qui partage la même conviction que nous, qui est le départ de toutes les forces étrangères d'occupation. Après Barkhane et Takuba, l'embouteillage sécuritaire est créé dans le Mali par la MINUSMA, 15 000 militaires et policiers onusiens qui n'ont pas mandat
de combattre les ennemis de la paix, mais qui sont là, semble-t-il, pour protéger les civils et aider l'État du Mali à exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire dans un environnement hostile. Comment protéger les civils contre des menaces que vous ne pouvez pas combattre? C'est de l'hypocrisie, c'est de la mauvaise foi. Donc, si l'amunissement n'est pas une solution au défi qui s'impose à nous, ça veut dire qu'elle est un problème. Voilà pourquoi nous demandons le retrait pur et simple de cette mission onusienne qui n'a jamais apporté la paix nulle part dans le monde. On sait la réalité de ces systèmes. Ce sont les puissances qui se servent du paravent de l'ONU pour agresser les pays souverains, pour des fins géostratégiques et économiques. La raison est bien connue. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et il faut que l'amunissement se retire tout bonnement, sans hostilité, sans incident. C'est impératif que nous ayons gain de cause, c'est impératif. C'est un impératif absolu. Et c'est un devoir pour l'ensemble des Maliens d'œuvrer à ce retrait. Le Mali est une terre d'hospitalité, mais le Mali aussi une terre de bravoure et de vaillance. Nous pensons que les messages qui seront lancés à partir d'ici auront un écho favorable auprès de la mission onusienne qui doit avoir la sagesse de se retirer sans incident. Sinon, ce qui est clair, leur retrait est imminent et obligatoire. C'est une nécessité, c'est une obligation pour l'amunissement de se retirer. Merci.